bien sûr, je vais peut-être citer deux autres après. Mais il est là, nous allons rendre hommage à cette personne-là. Monsieur Magloire, avec vos permissions, c'est celui-là même qui a permis à ce que le renouveau des Ouest soit possible à Parma et province. Je voulais que nous l'ovationnons. Merci. Merci Didier. Monsieur Magloire, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le représentant de Siwit. En représentant de l'association des Siwit. Messieurs les présidents des associations. Signori presidente delle associazioni. De Bologne. Di Bologna. De Brescia. Di Brescia. De Torino. Di Torino. C'est pour moi un grand honneur. Permet un honore. C'est pour moi un orgueil. Un orgoglio. En tant qu'initiateur. Come ideatore di questo evento. De cette communauté qui vient de naître. Di questa comunità che è appena nata. De vous dire la bienvenue. Di dirvi benvenuti. Bienvenue à cette investiture. Benvenuti a questa investitura. Sans oublier tous ceux qui sont venus de près ou de loin pour assister à cette investiture. Je vous dis la bienvenue et encore merci à mon nom personnel et en tant que représentant aussi du comité qui a organisé les élections. Ce soir, je voudrais vous dit que cette idée est née en moi il y a quelques années et c'est seulement le 5 juin que j'ai pris la décision de ma, tel que Durand, votre modérateur, tel que Emmanuel qui n'est pas là ce soir et nous avons ensemble demander dans notre démarche qu'il a trouvé noble et avec des frères nous avons formé un comité qui a été dirigé par le pasteur Fiemaï Jacques jusqu'aux élections et ces élections se sont bien déroulées. Nous avons eu 185 inscrits. Abbiamo avuto 185 iscritti. Les votants ont été 149. I votanti sono stati 149. Il y a eu 5 bulletins nuls. Ci sono stati 5 nulli. Et Monsieur Siaï, Cyril a eu 61 voix, qui est égal à 43%. Madame Kafando Ourade Geneviève a eu 83 voix. La signora Kafando a eu 83 voix. Qui est égal à 57%. La participation, le taux de participation était de 80,54%. Le président, le candidat perdant n'a pas démérité. Seulement que il fallait. Monsieur Cyril a donné tout ce qu'il pouvait donner. Mais les Ouais de Parma et de la province ont choisi Madame Kafando Neoulade Geneviève, qui est aujourd'hui présidente de notre communauté. Elle n'est pas présidente par hasard. Elle a eu des qualités et encore des qualités qu'elle continue d'avoir. Cela fait plus de 20 ans qu'elle est ici à Parma, qu'elle vit en Italie. Mais elle a été marquée par une générosité extrême. Si vous avez remarqué, dans toutes les associations, dans tous
les bonheurs ou malheurs, elle était toujours présente. Ici, c'est le travail qu'elle a fait pendant 20 ans qui a payé. C'est un conseil aussi à nous autres, que chacun de nous s'imprègne pour la cause de l'association. Ne dis pas, comme je suis ici, je suis assuré, ou j'ai ma famille ici autour de moi, je m'en fous de l'association. Si tu t'attends à l'association et que tu te donnes à corps et à âme, tu participes pleinement, un jour, tu auras ta récompense. Donc c'est pour vous dire qu'elle a mérité de son travail qu'elle a eu jusque-là, depuis qu'elle est à Parma et depuis qu'elle est en Italie. Je vous demande encore de l'ovationner, de l'acclamer pour son courage et pour son mérite. Étant l'initiateur de mon nom personnel, je lui remets toute la documentation sur laquelle a travaillé ce comité et les sages de Rouen, de Parma et de province, et que vous soyez aujourd'hui témoins. Je vous en remercie.